want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vais tout simplement vous montrer mes dons. Je sais pas si vous savez, je le répète à chaque fois, mais je suis dans un groupe de dons spécialisé dans le 77, du dont j'arrive plus à parler. Si ça vous intéresse, laissez-moi tout simplement un message sur Instagram ou par mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Donc voilà, concernant les infos, je serai habillée à chaque fois différemment parce que je vais faire ça au fur et à mesure. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors en premier, j'ai reçu trois monsieur, madame. Je sais pas du tout lesquels c'est. Donc j'ai reçu celui-ci, Madame Chapeau. On va l'appeler Madame Chapeau. Madame. Elle est trop mignonne. Elle est trop chouquette. Je la trouve trop belle. Je pense que je vais la laisser en déco quelque part. Et ensuite, monsieur fantôme. On va dire ça comme ça. Ensuite, pour la petite chouquette, j'ai eu une petite robe comme ça. Il y a le ting, je pense qu'il y a le ting. C'est du 3 ans. Il y a le temps, mais je la trouvais vraiment trop trop mignonne. Ensuite, j'ai reçu... Je vais pas dire ensuite j'ai reçu, mais bref. J'ai eu un petit haut comme ceci. Du 3 ans aussi, je le trouve trop mignon. Hop, comme ceci. Et vous avez un petit débardeur en dessous en fait. J'ai eu une petite règle comme ça. Et en fait je l'ai pris parce que moi quand Galia, vous voyez que vous êtes posé sur du Galia les gars, quand j'étais jeune j'avais exactement la même. Donc du coup ça m'a fait trop trop plaisir zizir de la prendre. J'ai eu des petits culbuto comme ceci. Je les trouve trop chouettes, trop mignon. Ça c'est des petits culbuto, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ça, ça va être nickel pour jouer avec la petite chouquette. Pour le petit chouki, vous allez me dire, ah ça fait fille. Non, j'ai trouvé ça, c'est pas trop mignon, les petites chaussures, franchement, je les trouve trop stylées, je les trouve trop belles. Pour la petite chouquette, j'ai pris ça, trop mignon quoi, j'adore. Pour le petit chouki, je pense, ouais, parce que ça donne 24 mois, quoi que ça peut aller à la petite chouquette, un petit body comme ça. Hop là, encore un petit vêtement, un petit hoodie comme ceci, trop mignon. Pour moi, j'ai eu un pull comme ça, je le trouve super mignon. Hop, doré comme ça, enfin argenté, je le trouve super joli, donc je pense que c'est un peu mon style quoi. Hop, nickel chrome, franchement je kiffe. Pour le petit, les petits enfants, un petit, une petite brosse à dents, enfin pas une brosse à dents mais du dentifrice comme ceci, de la marque Ocean. J'ai également eu un lot avec plein de chaussettes. Et ça c'est nickel pour la petite chouquette parce qu'elle en a plus beaucoup. Et j'ai eu deux petits pots comme ceci, légumes verts et saumon du Pacifique de la marque Bledina. Donc ça c'est cool, c'est chouette. Voilà pour mes petits dons d'aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de mes dons. Coucou. Du coup j'ai été chercher mes dons hier et je voulais vous les présenter pour la dernière séquence. Donc j'ai eu une petite table allongée comme ceci qui est bien pratique parce que la nôtre elle commence à décéder. Donc voilà, petite table, enfin t'as compris ce que c'était quoi. Truc pour changer les petits bébés. Ensuite j'ai eu plusieurs petits posters comme ceci. En plus je les avais vus chez Action, ceux-là je les trouve super jolis. Là on a un petit papillon de lumière, un pan, pampan et lapin. Et en fait c'est deux fois les mêmes, je les trouve super jolies. Je sais j'ai déjà dit mais je suis un peu fatiguée. Ensuite des petits plats pour bébé, donc j'ai eu des plats comme ceci, riz, tomates, poulet pour le petit bébé chouki, et j'ai eu des yaourts. Hop, et ils sont pas du tout périmé, c'est périmé en 2020, donc il y a le temps. Donc ça c'est chouette, vous voyez sur le groupe de dons, vous pouvez vraiment avoir plein de choses. Ensuite j'ai eu des vêtements, je vais vous montrer rapidement. J'ai eu ceci que je trouvais trop mignon pour bébé chouki, trop chou pour l'été. J'ai eu ça pour moi, je trouvais ça mignon en fait. Après à voir si je rentre dedans, ça m'a l'air un peu juste. Mais voilà, j'aime bien le principe, je pense qu'il est comme ça. Je le trouve super mimi. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour la petite chouquette, j'ai eu un petit haut comme ça, un petit bas comme ceci avec des petits lapins. Trop mignon. Une petite veste comme ceci. Et fait un peu de jean, mais c'est pas vraiment du jean. Trop shoot.
Pour les bébés, j'ai une petite à l'aise comme ça pour matelas allongé. Hop. Bon, elle a vécu, mais bon, on s'en fiche. Du liniment comme ceci de la marque Gilbert, je sais pas comment on dit. Une petite trousse comme ça, que je trouve trop chouette. Je la trouve très mignonne. J'ai eu ensuite un petit guide comme ceci. Je trouve ça trop pas mal. Je trouve ça plutôt sympa. Hop, donc ça, je vais mettre dans les toilettes, parce que dans les toilettes, moi, j'aime bien lire un truc. Est-ce que toi aussi, t'aimes bien lire un truc dans les toilettes? Parce que moi, j'adore. Un petit aspirateur comme ceci, mais tellement à l'ancienne, que j'ai pris pour pour devant ma cheminée, parce qu'il y a toujours de la poussière et tout ce genre de truc. Ça, c'est chiant. Donc ça, avec un secteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si j'en ai pas l'utilité, je le remettrai en don. Pour les enfants, j'ai eu pas mal de vêtements. J'ai eu un petit pull comme ceci, que je trouve plutôt mignon, avec des petits robots, Nono le robot. Un petit pantalon comme ceci pour le bébé Chouki. Oh, c'est trop chou ça! C'est trop mignon. Ouais, un petit t-shirt comme ça, avec des petites licornes. Pour une fois qu'ils font des licornes bleues. Trop bien pour les bébés Chouki. Un pantalon comme ça, un petit jean comme ceci. C'était un lot de vêtements, donc du coup, j'ai tout eu. Un petit jogging comme ça, nickel pour bébé Chouki. J'ai eu un gros pyjama peau de pêche pour la petite Chouquette qui se présente comme ceci. Ah, par contre, c'est bête parce que c'est comme ça. Et en fait, derrière, t'as ça. T'as un petit nounours comme ça. Mais du coup, ça peut lui faire mal au dos. Tant pis. J'ai eu ensuite un petit haut comme ceci pour bébé Chouki. Ça, trop mignon. Hop, un petit pantalon comme ça. J'adore quand mon fils, il a des trucs comme ça. Pour la petite Chouquette, c'est pas trop craquant. Petite licorne, trop beau. Nostalgie, quand tu nous tiens l'album des Link Up, je tiens à mon étoile. Et l'album des L5, on adore ou comment ça se passe? Ça, je vais mettre ça dans ma voiture à fond les ballons. On va être très bien. Très bien, Germaine. Une petite tisane d'allaitement, c'est top. Une petite éponge exfoliante à de tester et des petites noodles, ça c'est juste trop bon. Coucou! Alors aujourd'hui j'ai reçu 3 petits articles de mon groupe de dons. J'ai reçu ceci, c'est un petit tambourin. Je sais pas comment ça s'appelle exactement cet article. Et vous appuyez là, normalement ça fait du bruit. Il est trop mignon. C'est de la marque VTech. Donc ça, ce sera nickel pour ma petite choupette qui monte déjà les escaliers pour me le choper. Ensuite, pour mon frère, j'ai eu un petit goupillon comme ceci. Ça, ce sera nickel et puis il en avait besoin. C'est de la marque MAM. Très bonne marque. Il se présente comme ceci. Je vais le tester un petit peu et ensuite je le donnerai. Et ensuite, alors attendez le clou du spectacle de la part de Mel, si j'ai pas de conneries. Happy Together 17. J'ai eu ce magnifique. Hop, je le trouve trop beau. Vous me connaissez. Petit. Comment ça s'appelle? T-shirt. T-shirt. Je le kiffe. Il est trop joli. Ariel Mermaid. Il est trop beau. J'adore. Trop beau. Je kiffe. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire sur le groupe de dons. Je vous explique vite fait le concept du groupe de dons. Donc, c'est un groupe privé sur Facebook qui est pour les personnes qui habitent dans le 77 ou les personnes qui sont vraiment aux alentours. Grosso modo, pour faire vite, pour faire vex. Donc, imaginons que le 77 est divisé par 4. Dans chaque petit quartier, il y a une référente, ok? A, B, C et D. Imaginons que toi, Carole, tu vas sur le site, tu vois ce t-shirt que Wendy poste, ok? Tu dis, bonjour, je suis très intéressée par ce truc. Wendy, il y a plein d'autres gens qui sont intéressés aussi, mais Wendy te l'attribue à toi, ok? Et ben alors, donc du coup, oui ma puce, donc du coup, elle te l'attribue à toi, elle dit, je te l'attribue, nananinana. Elle va prendre ce truc-là, elle va marquer... Imaginons que tu t'appelles Carole, je ne me souviens plus comment tu t'appelais. Elle va marquer don petite sirène pour Carole. Elle va le donner à sa référente. La référente D. Toi, tu habites à A. Tous les jeudis, les références se regroupent et prennent le don. Elles se regroupent ici, au milieu du quartier. Et chacun se redonne ses dons, se dispatche les dons de tel ou tel quartier. Et donc, toi qui habites là, qui a eu ce truc là, toutes les références se sont réunies là. L'article, il est là. Il devient là. La référente qui était là, elle a récupéré l'article et ensuite, elle te redonne ton article. Je sais pas si j'ai très bien expliqué. Parce qu'il y a la petite choupette qui est en train de jouer avec le petit tambourin. Mais tu vois un petit peu le concept. C'est pas du donnant-donnant. Faut pas être dans le négatif. Faut pas donner, prendre plus de choses que tu vas le recevoir. Il faut que tu sois toujours dans le positif. Il faut donner de manière régulière. Si t'as un empêchement, un truc, tu le dis.
Après, régulière, je m'entends, parce que t'as pas tous les jours des trucs à donner. Mais voilà, faut que tu sois un minimum actif sur le site. Et voilà, grosso modo, parce qu'il y avait des gens qui s'interrogeaient sur comment ça se passait. Merci ma puce. Donc si vous êtes intéressé par le petit groupe de dons, contactez-moi directement par mail. Envoyez-moi un petit mail et puis je vous donnerai le lien du groupe de dons. Et vous aurez tout le règlement plus expliqué qu'avec moi, parce qu'avec moi c'est un petit peu compliqué. J'ai reçu des petits dons plutôt sympathiques et je vais vous montrer ça. En premier, j'ai reçu cette petite pochette là. Alors c'était la pochette de Noël 2019 Yves Rocher. Et je l'ai vue chez ma petite nièce et franchement j'ai trouvé trop choupi. Donc du coup, quand j'ai vu sur le groupe de dons, j'ai fait pourquoi pas, celle-là, elle est pour moi. Et je suis super contente qu'on me l'attribue parce que voilà, je la trouve simple et nickel. Et elle est toute neuve, la personne n'a pas utilisé, c'était un coffret cadeau, un cadeau chez Yves Rocher. Je sais, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Ensuite, j'ai eu des petites gourdes comme ceci. Repas pour les bébés. Franchement, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Donc, il y a celle-ci à partir de 7 mois. Donc, deux comme ça et deux comme ceci. À partir de 12 mois. C'est pas nickel. J'ai jamais testé ce format-là. Je trouve ça trop cool. Ensuite, j'ai eu toujours pour les enfants des petits. Alors, de la blanquette de volaille comme ceci. De la marque Pommette, la marque Intermarché. Oui, Intermarché, les mousquetaires. Donc, celui-là aussi. Trop cool. Hop, et j'ai eu écrasé de pommes de terre au jambon, comme ça. Franchement, c'est top. J'ai eu ensuite un petit jouet comme ça pour les enfants. En mode, ouais, je fais de baseball. Qu'est-ce qu'il y a? De la marque Fisher Price. C'est trop mignon. J'ai eu, Doralie m'a donné un disque dur. Donc, trop trop bien. Faut que je regarde comment l'installer et tout, mais c'est cool. Un disque dur, je crois qu'il fait 100, 1 giga, je crois. Franchement, c'est trop bien. Ça va m'aider pour mes montages et tout, pour avoir un peu plus de place sur mon ordinateur. Faut juste que je regarde comment l'installer. J'ai eu ensuite pour ma petite nièce une petite fève comme ça. Quand je l'ai vue, j'ai dit ouais, je vais essayer de le prendre pour ma petite nièce. Et contente qu'on me l'attribue. C'est le cheval là dans la Reine des Neiges 2. Donc je suis contente de l'avoir eu. Je lui donnerai la prochaine fois que je la vois. Et ensuite, j'ai eu... Hop là, je suis là. Des petits vêtements pour... je vous ai dit qu'il y a un de mes collègues qui attend une petite fille. Donc j'ai pris un petit... Franchement, c'est trop mignon. J'aime trop dire que ma chouquette est rentrée là-dedans un jour, c'est trop chou. Pour mon petit chouki, je lui ai pris un petit pull comme ça, de Noël. Je le trouvais vraiment trop beau. J'aime trop. Hop, j'ai eu pour mon petit chouki, même si ça fait un peu fille, mais franchement, moi je m'en fous. Je trouve que ça fait un peu... Oui monsieur Jean-Edouard, qu'est-ce qu'il y a? Donc trop mignonne petite veste comme ceci. De Gap Baby. Putain, c'est classe. Gap Baby, c'est trop bien. Et pareil pour la future petite schtroumpfette. Un petit haut comme ça. C'est trop mignon, trop mignon. Et pour mettre tout ça, on m'a attribué un sac comme ceci. Trop bien. Qui pourra servir de sac allongé ou de sac de transport, tout simplement. Pour mettre les jouets des enfants. Franchement, il est top. Il est de la marque Branco. Je sais pas du tout si c'est une marque connue ou pas une caisse, mais franchement, c'est top. Top, top, top. Je suis super contente. Tu peux mettre plein de trucs dedans. C'est nickel. Et voilà, là. Cette vidéo, elle est finie. Je range tout mon bazar. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un message, voilà, tout simplement, si ça vous intéresse de faire partie du groupe de dons. Si vous êtes dans le 77 ou les alentours, et si vous êtes véhiculé, bref, envoyez-moi un message si vous voulez plus d'informations. Je vous transférerai directement à la personne qui s'occupe du groupe de dons sur le groupe Facebook, voilà, si ça vous dit. En tout cas, comme je vous l'ai dit, moi je vous souhaite une très très bonne continuation. Hop là, je suis partie. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très 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 bientôt, à très 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 bientôt dans une prochaine vie. Des oh. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what